La SADC du Suroît-Sud, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Valleyfield-Beauharnois-Haut-Saint-Laurent, sont fiers de vous présenter cette capsule « Histoire d'entrepreneurs d'ici ». Aujourd'hui, M. Simon Bastien de Sud-Ouest Design. M. Bastien, qu'est-ce qui vous a motivé à démarrer votre entreprise? Sud-Ouest Design est une entreprise de conception de sites Internet. Une passion que je pratique déjà depuis plusieurs années. Je faisais des sites Internet en sideline, comme on appelle, jusqu'à ce que, suite à certains événements, j'ai perdu mon poste à mon ancien emploi. Je me suis informé au CLD de la région, et puis pour voir comment ça se passait, fait que, suite à ces réflexions-là, j'ai décidé de partir mon entreprise. Maintenant, quelle est votre vision d'un site Internet? Ma vision d'un site Internet a changé avec le temps. Suite à mon plan d'affaires, j'ai réalisé l'ampleur ou la façon de voir les besoins des clients. Et j'ai réalisé surtout qu'auparavant, c'était très compliqué d'avoir un site web comparativement à les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple pour les clients de gérer leur propre site web. Quand on fait affaire avec un concepteur de site web, c'est toute l'importance de travailler avec des professionnels, c'est de préparer le site web pour nos besoins. Suite à ça, l'utilisateur a juste besoin de rentrer les quelques informations au fil des jours, des mois ou des semaines. Toute l'information se place et se dispose automatiquement sur le site web. Le conseil de notre entrepreneur. Choisissez un spécialiste pour la conception de votre site Internet, comme vous le feriez pour un plombier. Profitez de ce temps pour veiller à vos autres occupations professionnelles ou familiales. Retrouvez l'intégralité de cette capsule « Histoire d'entrepreneurs d'ici » sur infosuroit.com et le site Internet de la SADC du Suroît-Sud. La SADC du Suroît-Sud accompagne depuis 15 ans les entrepreneurs et offre des solutions de services conseils gratuits, financement et mentorat. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC du Suroît-Sud. Ne manquez pas notre prochaine chronique lundi prochain.